Bonsoir à tous. On en est à l'épisode 6, l'aventure progresse et les candidats partent comme des mouches. Ils ne sont plus que 8. Le clan de Cathy, Hugo et Morticia est en grand danger par rapport à Fatima, Jessie, Grégoire, Alexandre, Maël. Arriveront-ils à faire tourner la chance ? Le départ de David m'a affaibli. Mais je vais tenir bon, je ne vais pas laisser Grégoire gagner. Il faut choisir un clan, je n'ai plus le choix. Je vais donc avec Maël, c'est logique. Notre clan a pris de l'avance, c'est parfait. Je suis encore la bande de crasseux. Sexy Fatou ira jusqu'au bout. Même si on est en danger, pour le prochain conseil, on profite avec Hugo. On est mal barré pour la suite. Notre clan a eu sa première victoire. J'ai un caissos en moins dans les pattes. Maintenant, faut virer Cathy. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit au conseil. Il a avoué qu'il craquait sur moi, en quelque sorte. Je décide de faire le premier pas, une bonne fois pour toutes. Je suis assez réservé comme garçon, pour mes sentiments. Je te trouve ultra chou. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Alex s'embrasse très bien. Très bien même. Je dirais mieux, très bien. Depuis le temps que j'attendais ce moment, elle me rend dingue cette nana. Espèce de gros clochard, dégage une bonne fois. Je suis encore là, je vais te faire la misère. Je ne supporte vraiment plus sa présence, j'en attrape des boutons. Cathy est folle, elle doit se faire soigner. Va te faire foutre. Sac à merde. Grandis un peu. Il m'énerve, qu'est-ce qu'il m'énerve? J'ai passé l'âge de me disputer pour un rien. Maintenant que je suis avec Jessie, je me sens plus apaisé. On est en danger pour le prochain conseil, je le sens mal pour nous. L'autre clan va forcément s'attaquer à Cathy, Morticia ou moi. J'apprécie Cathy, mais là on n'a pas le choix, il faut qu'on avance sans elle. On va continuer d'être ses alliés, mais faut pas qu'on la garde plus que ça avec nous. On doit rester unis tous les deux, et essayer d'avancer dans la compétition. On gagnera un peu de temps pour se sauver. La stratégie c'est d'être un peu plus discret jusqu'au conseil, après on essayera de s'allier à des gens de l'autre clan. Tant que Cathy et Grégoire sont là, les clans ne changeront pas. Ma sexy belle, notre objectif va être de dégager ce moche trio restant. On va y arriver, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire pour nous contrer. Bah rien. C'est ça qui est sexy excitant. J'apprécie Hugo mais on est dans un jeu, il faut jouer quitte à l'éliminer à un moment donné. Grégoire va vouloir dégager Moshi Cathy, et je le comprends c'est la Moshi seule à être stratège. Faut quand même se méfier de Hugo et Morticia. L'autre clan va sûrement s'attaquer à Grégoire ou Fatima, je ne risque donc rien. Tant que j'ai Grégoire dans les pattes, aucun Moshi con ne me votera. D'où l'intérêt d'avoir un sexy esclave. Tu penses vraiment être dans le bon clan? C'est pas avec Cathy que je me sens le mieux, tu sais. Oui mais regarde, vous êtes 5. Tu penses vraiment pouvoir aller en finale? Il y aura forcément une trahison. Je suis prête à dégager Fatima pour aller plus loin avec Grégoire. Fatima serait capable de faire pareil, je vais pas me gêner. C'est une manipulatrice, fais attention à elle avant qu'il ne soit trop tard. J'essaie de rallier Jessie à notre clan en démontant Fatima. Je fais ce que je peux pour nous sauver. Hugo a raison. Je vais me méfier. Les clans sont instables, tout peut arriver. L'épreuve d'immunité arrive, une épreuve de mémoire. Regardez.
Voici le déroulement de l'épreuve. Tu as au préalable retenu 20 mots. Tu vas avoir une minute pour en citer un maximum. Celui qui arrive à en citer le plus gagnera l'immunité. Attention, prêt, partez. Montre, pantalon, biscuit, fenêtre, rideau, verre, écriture, tour. Merde, j'en ai oublié. Montre, pantalon, pinceau, biscuit, cuisinière, ah oui, fenêtre, rideau. Écriture aussi. Montre, pantalon, pinceau, coussin, feu, téléphone. J'ai tout oublié. Putain. Armoire, papier. Merde, allez. Feu. Coussin. Allez, allez. Sexy montre, sexy pantalon, sexy pinceau, sexy biscuit, sexy fenêtre. Montre, pantalon, pinceau, rideau, bouteille, feu, échelle. J'en ai passé. Qu'est-ce ? Mobilier, non ? Non, je me trompe. Non, c'est papier. Bon, après, je ne sais plus. Montre, pinceau, biscuit, fenêtre, cuisinière, rideau, feu, échelle. C'est difficile. Coussin. Le dernier dont je me souviens, c'est bouteille. Papier, verre, armoire, écriture. Montre, pantalon, pinceau, biscuit, fenêtre, cuisinière, rideau, feu. Sexy lunettes, sexy tour, sexy échelle. Je déteste ce mochi jeu. Armoire, écriture, lunettes. Montre, pantalon, papier, verre, caisse, armoire, écriture, lunettes, tour. Lunettes, tour, sac à dos, coussin, biscuit, je me souviens de celui-là. Je donne ma langue au chat pour le reste. Sac à dos, rideau, feu, échelle. Je suis désolée, mais je suis perdue. Papier, verre, téléphone, coussin. Bon, je n'ai plus le temps, mais je suis sûre que j'aurais pu en trouver d'autres. En trouvant 16 bonnes réponses sur 20, c'est Hugo qui est intouchable au conseil de ce soir. Bravo à lui. Voyons ce qu'il se passe au niveau des stratégies. Attention, à toi Alex. Je t'apprécie, alors je te mets en garde. Ce n'est pas parce que Maël est avec Fatima qu'il faut la suivre. Je fais confiance à Maël. Je pense que tu peux, mais pas à Fatima. Ça va se retourner contre vous deux. J'essaye évidemment d'attirer Alexandre dans mon clan, mais d'un côté, ce que je lui dis, je le pense vraiment. On avance dans le jeu, après ce sera trop tard pour revenir en arrière. En vérité, je m'en fiche de Fatima. On lui fera à l'envers en temps voulu, pour l'instant je ne vois pas l'intérêt. Avec Maël, on se sert de Fatima comme bouclier, en quelque sorte. Et pourquoi ne pas faire une alliance? Toi, moi, Maël, Hugo, on pourrait tous les quatre aller en finale. C'est tentant. Je vais y réfléchir. J'ai fait ce que j'ai pu pour la stratégie, cela ne dépend plus de moi. Je pense attendre le conseil de ce soir avant de prendre ma décision. Tu me rends heureuse, Grégoire. Toi aussi. Au mon Grégoire Ounet. Je cherche encore cette foutue roue de secours qui pourra m'aider à un conseil, mais elle est trop bien cachée. J'ai mis mes sexy fesses à l'eau, mais aucune roue. Je dois la trouver, j'en ai absolument besoin pour ce soir. Bon, j'abandonne pour aujourd'hui. Tant pis.
Je me précipite trop, mais ça me stresse aussi. Je me suis approchée du sexy buisson. Oh putain, sexy Fatou est au top. J'ai trouvé la sexy roue. En même temps, je suis la plus sexy futée de la maison, c'est sexy logique que je la trouve. Je le dis à personne, je vais m'en sexy servir et en faire bon usage. Je me sens affreusement seule depuis le départ de David. Je n'ai plus de vrai allié. Je pense partir au conseil, je suis une proie facile. Il y a les deux couples, les Amigo et Morticia, puis Fatima qui est arrivée à s'incruster. Je baise le bras, tant pis. C'est comme ça. Fatima qui trouve la roue de secours et qui peut se sauver si elle l'utilise bien, et Cathy qui est complètement isolée et qui baisse les bras. Le conseil arrive, tout peut arriver. Bonsoir à tous. Bienvenue pour le conseil. Ce soir, seul Hugo est hors de danger. D'ailleurs, pensiez-vous partir sans cette immunité? Peut-être, je ne sais pas. J'ai déjà eu beaucoup de votes depuis le début de l'aventure. Cathy, vous avez perdu votre allié Jenny et plus récemment David. Comment le vivez-vous? Très mal. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont vu, je ne me sens plus du tout à ma place. Est-ce à cause de la présence de Grégoire? Plus tellement, c'est parce qu'ils ont tous un allié, et moi je suis là comme une conne à les regarder. Je n'arrive même plus à faire de stratégie. Je pense que tu t'es trop focalisée sur Grégoire, en oubliant les autres. Ce n'est que mon point de vue. Peut-être, mais tu peux pas comprendre la haine que j'ai pour lui. Seriez-vous prête à faire la paix, Cathy? Non. J'ai été blessée, et une femme blessée ça n'oublie pas. C'est dommage, tu gâches ton aventure. Vous, Grégoire, vous semblez être amoureux, je me trompe? J'ai de vrais sentiments pour Jessie, c'est sincère. Je n'avais jamais ressenti ça avant. On s'est trouvé, on ne va pas se lâcher. J'ai aussi envie de dire, enfin. Enfin Alexandre et Maëlle se sont avoués leurs sentiments. Enfin ils ont échangé leur premier bisou. Disons que j'ai un peu forcé les choses. Je suis un grand timide avec les filles. C'est ce qui fait ton charme. Il y a deux couples, ça constitue deux dangers. Vous êtes d'accord, Fatima? Oui, mais s'ils ont un minimum de sexy intelligence, ils ne s'attaqueront pas à moi. Vous n'avez pas peur d'être sacrifié? J'ai plus d'un tour dans mon sexy sac. Morticia, comment décririez-vous la semaine qui vient de passer? Enrichissante. J'ai repris du poil de la bête. Bon, c'est pas encore le top, mais je veux vraiment continuer cette aventure avec Hugo. Moi aussi, Momo. Peut-on dire qu'une vraie amitié s'est installée? Ah mais oui, c'est quelqu'un que je reverrai à l'extérieur, soyez-en sûrs. Une chose est certaine, ce soir, l'un de vous va quitter l'aventure. Il est temps de passer au vote. On se retrouve ici juste après. Voilà, vous avez tous voté. Question rituelle, est-ce que l'un de vous a trouvé la roue de secours et souhaite la jouer ce soir? Personne? Très bien, passons au dépouillement. Cathy.
Cathy. Grégoire. Grégoire. Deux votes pour Cathy, deux votes pour Grégoire. 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 Cathy. Cathy. Quatre votes pour Cathy, quatre votes pour Grégoire. Voici le dernier bulletin. Cathy. Cathy, avec 5 votes contre vous, vous quittez la compétition. Bravo pour votre parcours, qui se termine ici. J'aimerais juste ajouter une chose, personne n'a été compréhensif envers moi, vous n'en avez eu rien à foutre. Je vous souhaite une mauvaise fin d'aventure. Cathy ayant quitté l'aventure, vous n'êtes plus que 7. 7 candidats pour seulement 4 places de l'affrontement pour la finale. Bon retour à tous. Je savais que c'était mon tour, c'était obligé. Je pouvais peut-être monter des stratégies pour me sauver, mais je ne supportais plus la pression dans la villa, cet isolement aura eu raison de moi. Déçu de la tournure que le jeu a pris, et déçu de voir que Grégoire est encore là. Après l'élimination de David, c'est logique qu'on te vote. Tu fais partie du clan adverse. Tu voulais me dégager, mais je pense que ce soir, c'est ton tour et pas le mien. J'ai rien de spécial contre toi. Je trouve ton isolement dommage, peut-être que ça aurait pu se passer autrement. On ne s'est pas beaucoup parlé depuis la réunification. Ce n'est pas parce que je parle à Grégoire ou Jessie que je ne vais pas t'apprécier. Tu es la personne avec qui j'ai le moins d'affection, alors je te vote. Tu crois vraiment être la sexy reine du clash? Désolée ma chérie, personne ne détrônera sexy Fatima. Ramasse-toi ce vote en pleine gueule bitch. Évidemment que je te vote. Je n'attends pas ton départ, mais avant de partir, je veux encore une fois montrer que je te hais. Je vais suivre le vote de mon clan, si on peut appeler ça un clan. Je te vote par défaut. On connaît le vote noir de David, on le devine tous. On le suit simplement pour essayer de sauver Cathy. Hashtag Grégoire pour ce vote noir. Je suis parti par ta faute, alors tu peux être sûr que je vote une dernière fois contre toi, minable.